d'habitude, mes patients ne vident pas une bouteille de scotch pendant une séance. Ouais. Je garderai ça en mémoire si jamais je vais à question pour un champion. Parlez-moi de votre père. Mon père. Oui, mon père. Merci ici. Mon père, il avait le pouvoir autour de moi, tout le monde l'aimait. Vraiment, on le respectait, paix à son âme. Votre père est mort? Non, mais j'adore dire paix à son âme. Évidemment, il est mort. Je devais avoir dans les 12 ans. Comment est-il mort? Oh, subitement, crise cardiaque. Vous aviez quel genre de rapport? Vous étiez proche? Ouais, on était assez proches l'un de l'autre, mais c'était pas génial depuis quelque temps. Pourquoi ça? Je fréquentais des loubars, j'avais une bogada. Qu'est-ce que c'est? Un gang de jeunes, des hooligans, quoi. Rien de méchant, mais il était pas d'accord. Il n'appréciait pas? Ah non, il m'a baffé une ou deux fois, et puis... Et puis, ensuite? Et puis il est mort. Qu'avez-vous éprouvé? Je me sentais bien, une vraie merveille. Comment voulez-vous que je m'en rappelle? Réfléchissez bien. Vous étiez en colère, vous étiez effrayé ou triste? Un petit mélange de tout ça. Vous aviez des remords? Et pourquoi? Je l'ai pas tué? Non, je sais bien, mais supposons seulement que d'une certaine façon, vous ayez souhaité sa mort. Pourquoi je voudrais que mon vieux dégage? Vous avez dit vous être battu. Il vous avait giflé parce que vous vous rebelliez contre son autorité. Vous pouviez avoir un complexe d'Oedipien avorté. Décodé, décodé. Oedipe était un roi grec qui avait tué son père et épousé sa mère. Pfff, dégueulasse ces grecs. C'est un moteur instinctif de développement chez les enfants. Les gamins veulent remplacer leur père afin d'être les seuls à posséder leur mère. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que je voulais baiser ma mère? Non, c'est un fantasme infantile. Vous l'avez regardé, ma mère? Paul... Ça va pas, non? Vous êtes malade. C'est de Freud. Ce Freud, c'est qu'un porc, et vous aussi, puisque vous le citez.